Avec nous en ligne, Monsieur Guerco, 20 des 20 heures. Merci d'accepter notre invitation. Je le disais à l'instant, en 2017, vous avez été kidnappé en Libye. Dans quelles conditions cela s'est-il produit? Mr. Guerco, 20 des 20 heures, thank you for accepting our invitation. In 2017, you were kidnapped in Libya. Under what conditions did this happen? Je me suis rendu en Libye pour travailler sur un site de construction où on construisait une centrale électrique en tant qu'ambulancier, et dès le premier jour, sur la route vers le site de construction, mon véhicule a été attaqué et je fus emmené de force par une milice armée. Vous avez été transféré au Mali par vos ravisseurs. À l'instant, vous nous racontiez dans quelles conditions votre enlèvement s'est produit. Vous avez été transféré au Mali par vos ravisseurs. Comment s'est déroulé le transfert? You were transferred to Mali by your captors. How was the transfer carried out? Initially, I was kidnapped by a Initialement, j'ai été enlevé par un groupe armé qui m'avait vendu Al-Qaïda et il m'avait emmené au Mali à bord d'un véhicule. Le voyage a duré 4 jours à travers le désert pour me conduire au Mali. Peut-on parler dans ces conditions, Monsieur Guerco, 20 des 20 heures, peut-on parler d'une chaîne de complicité? Can we, in these conditions, Mr. Guerco, 20 des 20 heures, can we speak of a chain of complicity? Je ne suis pas sûr de la chaîne de complicité. Je sais qu'ils avaient tous des liens de famille. Ils appartenaient au même groupe ethnique. Je n'ai pas encore toutes les informations. Quelles ont été les conditions de votre captivité? Étiez-vous en contact avec d'autres otages? What were the conditions of your captivity? Were you in contact with other hostages? Initially, I was alone for the first 3 months. Yes. Au départ, j'étais seul pendant 3 mois. Ensuite, j'ai été rejoint par des ingénieurs turcs qui avaient été enlevés le même jour que moi. When they were released in 2018. On nous avait ensuite séparés en 2018, après leur séparation. À partir de là, j'étais seul au Mali. Je n'ai rencontré Olivier Dubois, le journaliste français, qu'en août 2021 et jusqu'à sa libération. On était ensemble. Ensuite, j'ai été rejoint par Abdou Maïga, le Malien enlevé en 2023. J'ai pris soin de lui jusqu'à ma libération. Vous semble-t-il qu'il y avait une idéologie parmi vos ravisseurs? Est-ce que c'était politique ou juste pour de l'argent? Does it seem to you that there were an ideology among your captors, or was it political or just for money? It was just for money. C'était pour l'argent. Je n'avais pas d'influence politique dans la région. Le groupe qui m'avait enlevé était un groupe criminel et ils demandaient de l'argent. Même lorsque j'étais remis à Al-Qaïda, l'objectif était d'obtenir de l'argent car je n'avais aucune influence politique dans la région. Monsieur Guerco, 20 des 20 heures, que pouvez-vous nous dire sur vos ravisseurs? Était-il africain? Avait-il des liens avec des parties externes? Mr. Guerco, 20 des 20 heures, what can you tell about your captors? Were they African? Did they have any link with external parties? No, they were all Africans. They were affiliated, all of them were affiliated with Al-Qaïda. Non, ils étaient tous africains, comme je l'ai dit. Ils étaient affiliés à Al-Qaïda et ils partageaient l'idéologie de l'organisation, et il y avait peut-être d'autres partis impliqués, mais ceux à qui j'avais parlé s'identifiaient comme faisant partie d'Al-Qaïda. My captors at that time, they were identifying themselves as Al-Qaïda.
Vous êtes avec nous aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Je rappelle que vous êtes sud-africain, monsieur Guercovin de 20h. Avez-vous senti à un moment donné que votre vie était réellement en danger? Did you feel at any time that your life was in real danger? Not really. I knew that when I was taken, it's going to be for money. Pas vraiment. Je savais dès mon enlèvement que c'était pour l'argent, car je n'avais aucune influence politique en Libye ou au Mali, et ils prenaient soin de moi tant que je suivais les instructions et que je ne faisais rien de mal. Ils prennent soin de vous car ils veulent un retour sur investissement. Vous parliez en ce début d'entretien du journaliste français Olivier Dubois, qui travaille par ailleurs au Mali, hein, précisons-le. Olivier Dubois a été libéré en même temps qu'un autre otage, l'Américain Jeffrey Woodke, kidnappé au Niger en 2016. Mais vous êtes resté prisonnier, bien que vous soyez entre les mains du même groupe. Quelles étaient les raisons, selon vous, monsieur Guercovin de 20h? Selon le journaliste français Olivier Dubois, vous avez été vendu à un groupe du nord du Mali. Pouvez-vous nous en dire plus? Que s'est-il passé par la suite? Mr. Guercovin de 20h, the French journalist Olivier Dubois was released at the same time as another hostage, the American Jeffrey Woodke, kidnapped in Niger in 2016. But you remained a prisoner, although you were in the hands of the same group. What were the reasons? According to the French journalist Olivier Dubois, you were sold to a group from the north of Mali. Can you tell us more, Mr. Guercovin de 20h? Oui, en effet, on était détenus par le même groupe. Le groupe avait assuré la libération d'Olivier Dubois par un moyen dont je ne suis pas sûr. Les informations que j'ai sont celles données par la radio, donc j'ignore la raison. Je sais que la politique étrangère de l'Afrique du Sud rejette le paiement de rançon, et puis je savais que mon tour arriverait. Je ne savais pas quand, mais que ça allait venir. Quel était votre travail en Libye? What was your work in Libya? J'avais été contacté pour travailler en tant qu'ambulancier sur le site de construction. Ils avaient une clinique médicale sur le site où je me chargerais des ouvriers, ingénieurs ou toute autre personne blessée. Mais j'avais été enlevé dès le premier jour en chemin pour me rendre là-bas. Que pouvez-vous nous dire, monsieur Guercovin de 20h? Que pouvez-vous nous dire sur les conditions de votre libération? Est-ce qu'il y avait des indications selon lesquelles vous alliez être libéré? What can you tell us about the conditions of your release? Were there any indications that you were going to be released? J'avais reçu une notification des chefs du groupe qui me gardaient captif. Ils m'avaient informé que j'allais être libéré d'ici 2 jours. Ils m'avaient juste dit que je devais laver mes vêtements et être propre pour ma libération. 2 jours plus tard, ils m'ont conduit à un autre lieu où se trouvait un médiateur algérien qui est venu me chercher et m'a conduit à la frontière où m'attendaient les services de sécurité algériens, et c'était un soulagement. Ils me répétaient que j'avais été libéré et que c'était terminé. Il y a eu une grande, quand même, lutte pour votre libération. There were a big fight for your release. As I understand, yes. Je comprends cela. Il y avait des médiateurs sud-africains qui œuvraient pour ma libération, mais en vain. Ma libération avait été obtenue par l'intervention du gouvernement algérien que je remercie. Je leur ai exprimé ma gratitude. Est-ce que c'est votre première déclaration sur un média algérien? Yes, this is my first communication that I've ever spoken to anybody from Algeria after my. Oui, ceci est ma première intervention. Je n'avais parlé à personne en Algérie après ma libération. J'étais resté silencieux pendant mon séjour en Algérie jusqu'à ce que le gouvernement sud-africain me ramène en Afrique du Sud.
Je pense que la relation entre l'Afrique du Sud et l'Algérie n'est que plus forte après cette aide apportée par le gouvernement algérien pour ma libération des mains d'Al-Qaïda, et je le suis très reconnaissant. Je suis également reconnaissant au gouvernement sud-africain. Monsieur Gerko, 20 de 20 heures, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Mr. Gerko, 20 de 20 heures, thank you for accepting our invitation. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Shukran. Shukran, like. Merci beaucoup.